c'est Fabiola Fameux. Moi, fait en Maïsad, plateau central. Moi, soy étudiante au Cap étudié là aussi, en relations publiques, quatrième année. En mars dernier, j'ai participé à un concours que l'Université Rouge de l'Amitié des Peuples organisait à Moscou. Côté que différents pays qui ont participé, comme Venezuela, Argentine, République Dominicaine. Et c'est Haïti qui est arrivé reporté, victoire. Et je me sens fière pour présenter la culture haïtienne à l'étranger. Et ça, c'est tout à fait c'était fier parce que c'est la première fois Haïti va se faire dans le concours et nous arriver à remporter tout le monde. Ça fait me sentir fier en pile. Ok. L'université a organisé le concours là chaque année. Différentes jeunes filles qui sont dans différents pays. L'année passée, c'était une africaine qui était mise. L'année ça, pas de africaine qui a participé. Le concours a organisé le premier tour là, c'est en octobre. Il a commencé à contacter 25 jeunes filles de différents pays. Nous avons et nous avons choisi 15 pour la semi-finale. La semi-finale a été faite en décembre 2012. Dans la semi-finale, nous avons choisi 10 pour la grande finale qui a été faite le 2 mars dernier. Ok. Bon, j'ai pris l'initiative de participer dans le concours là, parce que moi, je voulais faire paraître la culture haïtienne. Je voulais mettre la culture haïtienne en faveur. Здесь она стала женой и мамой. В конкурсе таланты девушки продолжили демонстрировать свои способности в пении и в танцах. Хочу рассказать вам о креольской красавице и о ее представлении в гаитянской культуре. Креольская красавица является фигурой экзотической красоты. У креольской красавицы хватает мудрости. Она считается женщиной со знаком плюс во всех отношениях. В первую очередь в материнстве, ну и, конечно, в учебе, в дружбе, в работе. Она не опускает руки при неудачах. И у нас в Российском университете дружбы народов одна креольская красавица, то есть я. Я самая красивая. Le premier peuple noir du monde et nous pas cabaisser tête devant blanc et nous prend courant, nous sommes fiers de ça, nous sommes femmes de courage et nous pas jamais baisser tête, moi, tout côté me passe, je suis toujours fière de pays, moi c'est un haïtien natif natal. Le concours là plus basé sur culture, pas vraiment qu'une question intellectuelle, c'est culture pour présenter culture là caillou. Moi j'ai fait une présentation sur Haïti après tremblement de terre là, Ки предложили свои варианты решения глобальных экологических и социальных проблем. Мы единой целой, мы человечество, и чтобы быть достойными людьми, нам необходимо мужество, любовь, справедливость и благородство. Чтобы поделиться эмоциями и сделать правильный выбор, члены présentation ça c'est plus présentation qu'il faut aimer parce que moi fier côté moi c'est une fière pas cacher type que c'est haïtienne moi fier de montrer tout ça qui a passé en Haïti montrer réalité là et moi c'est une fière c'est ça plus faut aimer dans le concours public là le concours a été fait commencer au final là mais t'as plus que ce qui t'es participé dans le concours et vous souhaitez commencer à chauffer pour vous par qui t'es participé. C'était 6 Russes avec, qui étaient participés avec une Vénézuélienne, une Dominicaine et moi-même. Mais on a commencé à chauffer, parce que moi-même, c'est numéro 6, moi, j'étais 5 novembre. J'ai chauffé. Après, l'homme fin passé, je fin présenter le folklore, je me présenter la danse, nous, avec tout le costume national. Là. Ça, c'est un autre bagaille. Toute salle là, était vraiment salle là. C'est tant que c'était un russe qui a participé, parce que les femmes qui étaient dans la salle, c'était russe. Ils ont crié, ils ont battu bravo, c'était vraiment belle, ils étaient contents. Depuis après, ça m'a été derrière dans la salle où on a fait préparation. Ils ont fini, ils ont dit Fabiola, vous présentez bien, vous dansez bien, vous dansez folklore bien, vous vous sentez fier. Après le concours, ils ont demandé pour me monter dans ces folklore haïtiens. Pour participer dans le concours, ça faut que.
participé déjà dans un concours. Ou pas quand il était pour inscrire comme ça, pour y a pas prendre pour ça. Faut ou t'es participé dans un concours et faut qu'il y ait preuve à la main que vous participez dans un concours. Avant ça, en 2009, moi t'es participé dans un concours que l'université a été organisé. C'est un concours vacances d'été. Moi t'es participé et moi t'es pris en deuxième place là. J'ai décidé de participer dans le plus gros concours qui compromise l'université. Moi j'ai participé et moi j'ai porté couronnement. Ça fait 17e édition concours là. 17e édition concours là. Et l'année dernière, c'était une Africaine qui a remporté couronnement. L'année ça c'est une Haïtienne qui prend culturelle là, qui est très active. Parce que dans l'université côté ma étudiant, c'est un pile d'étudiants qui sont dans différents pays côté que vous venez dans l'université qui réside dans chaque association différents pays qui ont une responsable culture. Ils ont toujours organisé chaque année dans l'université. Vous faites côté que différents pays présentent des cultures là, car nous-mêmes toujours présentent des cultures haïtiennes. Nous gagnons pile bagaille l'autre bois. Leurs étudiants sont ici, ils ont acheté nos côtés Haïti, nous présenter, nous gagnons drapeau, nous gagnons tout ça, ils ont fait ici. Nous présenter, nous danser. C'est un bel bagaille. Avant de prendre l'initiative pour participer, moi, j'ai les mamans qui vivent ici. Moi dit maman que nous va participer dans concours et yo exiger ou loi faire présentation de tête ou de pays c'est avec costume national pour faire moi relé maman moi dit maman que ça me participer dans concours pour ca voyer un rat carabella pour moi avec bracelet sonno qui marque Haïti maman te voyer pour moi n'a moi participer avec yo bon après concours là moi yo te nommé comme secrétaire du comité des étudiants haïtiens à Moscou. Je suis nommé comme secrétaire de la culture dans le comité. Ça, mais moi, pas vraiment qu'un temps dans le moment, t'as préparé examen. Parce qu'après le concours là, en juin, nous avons examen. T'as préparé examen, moi, t'es refusé. Mais moi, frère, l'homme tourné m'a pris pour ça, parce que pour faire plus, pour montrer plus bien culture là. Dans l'université. Les programmes, moi toujours là, des activités culturelles qu'on fait dans l'université, nous toujours là. Et toute mon université a connu, comme haïtienne, je toujours bien apprécié ça, toujours apprécié ça, j'aime folklore là pour nous montrer où danser, tout ça. C'est un plaisir pour moi matin, pour me dans le ministère de la Culture, pour me parler ensemble avec nous. Moi, je suis très fière. Et je suis toujours monté drapeau Haïti à Pio, tout côté de passé, parce que c'est fierté nous, c'est culture, nous avons monté tout côté. Vive Haïti, vive la culture haïtienne. Merci. Maman, bye, bon Dieu, gloire.